bonjour à tous, c'est John Jodan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les amis, on va tester enfin le Trunks LR Lien 10. Voilà, c'était un sub-goal, hein. C'est vous qui avez choisi cette unité pour qu'on la monte lundi, c'est qu'on la teste. Alors, dans les choix d'unité, souvent on essaie de privilégier des unités qui sont prometteuses, qui ont un potentiel, parce que si on prend Shao Man, bon voilà, quoique, hein, ça se trouve un jour il passera ZTUR, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc vous avez choisi Trunks LR, et c'est vrai que potentiel, parce qu'en plus on sait maintenant qu'il y a du ZLR qui peut traîner, et même sans parler de ZLR, c'est probablement le deuxième meilleur LR de première génération, avant que Broly ait son ZLR évidemment, parce qu'on a quand même un personnage qui a une défense, enfin il a de la défense, via les liens, et là ça va être encore plus important évidemment, et via l'aspect hein, 30% pendant 3 tours, donc on peut stack 2 fois, et c'est déjà pas mal, parce que quand on regarde les LR de première génération, Gohan pas de def, je parle pas des liens, mais Gohan pas de def, Majin pas de def, Broly à la base mal juste de def, Zaba Black oui, et Trunks oui. Et donc forcément, ça permet d'être un petit peu plus intéressant et de tenir un peu le coup, même si c'était pas non plus exceptionnel jusqu'à maintenant. Attaque plus 120%, donc rien de spécial, et grande chance de coup critique, et ça même aujourd'hui c'est très intéressant parce que ça permet d'investir tout ce qu'on a en termes d'équipement, tout ça, en attaque additionnelle ou en esquive, pourquoi pas. Et ça c'est cool, du coup 22 points d'esquive, enfin d'attaque additionnelle. Le critique c'est pas la peine, une chance sur deux ça sert à rien d'en mettre à côté, ça va pas s'additionner, hein, ça sera soit l'un soit l'autre. Donc clairement on peut tout investir ici, et à mon avis même quand il aura un ZLR, il aura toujours, bah c'est sûr, hein, il aura toujours grande chance de critique, voire peut-être forte chance, qui sait. Et donc du coup, ça sera très intéressant. Donc voilà les amis, alors au niveau des liens, lien royal, lien 10, c'est de l'attaque, avec un peu plus de ki, c'est cool. Jugement sur un 25, Super Saiyan 15 en attaque, vitesse époustouflante, un peu de défense. Part au combat, attaque et def un petit peu, briser à la limite, attaque et def, et pouvoir légendaire, attaque plus 15 pendant l'aspect. On va le jouer à côté du Trunks LR Agilité, ils ont 5 liens en commun, malheureusement pas par au combat, pas vitesse époustouflante, mais tout le reste va s'activer. On ramène Gohan LR qui va proc ses 2 liens supplémentaires quand il sera dans la rotation, et puis le reste, une team sans mêlée, somme toute assez classique. Malheureusement je peux pas ramener le Trunks du portail Broly, parce qu'il a le même nom que le LR. Et ouais, alors sur la, si on était sur la Jap, on pourrait, hein, je rappelle, avec la mage des liens, et ça c'est un cas d'application intéressant, jouer le Trunks LR et l'autre en rotation. Voilà, bon, pour l'instant, Trunks LR, hein, je m'attends pas non plus à des folies, mais quand il passera ZLR, ça promet d'être très très bon. On y va les amis, let's go! Je compte sur vous, pouce bleu, l'abonnement, tout ça, et bien sûr, le perso que je teste en dernière position, mais en même temps, il arrive dans la bonne rota. Alors, je suis mitigé, est-ce que je lance comme ça? On va lancer comme ça, parce qu'en fait, le test va être assez rapide, hein, parce que c'est pas un perso qui stack. Alors oui, mais vite fait, hein, c'est 2 fois. Donc on va lancer comme ça, à tout de suite. Alors, notre première rotation, les amis. Voilà, Trunks avec Trunks, on proc quand même pas mal de liens. Pouvoir légendaire qui va s'activer évidemment, hein, une fois qu'on part en spé, il n'y a pas de souci. Donc on va checker la défense tout de suite, hein, on va pas perdre de temps. 83 KDF, tu vas me dire, mais c'est pas beaucoup. Regarde, le LR Free to Play est à 109, oui, mais attendez, parce qu'il y a le stack. Eh oui, il y a le stack les gars. Donc attendez, on va calculer ça tout de suite. Et puis évidemment sur support, mais il y en a un qui se pointera tout à l'heure. Donc 83, 831, on va calculer direct, hein, la def plus la def maximale. Une fois que j'ai fait une spé, je suis à 108 KDF. Alors oui, c'est pas ouf, hein, mais mettez-vous dans le contexte, les gars. C'est un LR première génération. Et à l'époque, encore une fois, par Zama Black, et en plus Zama Black, pareil, il fallait stacker, les autres, ils avaient Walou. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas si on met de côté Broly ZLR, donc remettez-vous dans le contexte. Donc 108 KDF, attendez, parce que c'est un stack, ça, maintenant, 2 stacks. 2 stacks les gars, ça fait combien? Et ça va être pas mal en vrai. Ça va être pas mal. 2 stacks, on est à 134 KDF. Encore une fois, oui, c'est pas exceptionnel, mais remettez-vous dans le contexte. 134 KDF, pour un LR première génération, bah c'est pas mal du tout quand même. Hein. Franchement, ça va, c'est bien. Bien sûr, c'est pas suffisant aujourd'hui, mais c'est bien. Parce que quand il passerait ZLR, on est peut-être pas prêt. Et évidemment, ça c'est le cas où, 1, il n'y a pas de support, et 2, je fais pas d'attaque additionnelle. Et c'est là où ça va être assez important, parce que je rappelle qu'on investit ce perso full attaque additionnelle. Donc, il est très probable que j'en cale une deuxième. Et si je commence à caler de l'attaque additionnelle, les gars, alors admettons, si on fait du coup une spé additionnelle, donc du coup on stack 3 fois, admettons, en cumulé sur ce tour 2 fois et le tour d'après une fois, donc du coup, ça fait 90%, on passe à 160. Et ouais, et si jamais, admettons, et là je prends vraiment un cas, le meilleur cas, si je fais une attaque additionnelle, le premier tour et deuxième apparition,
Donc du coup on a 120% de boost, hein. Ah oui. Eh oui, parce que du coup on va stack 4 fois. Ça fait 184 quand même. Bon, encore une fois, là c'est vraiment le cas, le meilleur cas, mais et encore, il n'y a pas de support dans la rotale. Hein. Donc vous voyez, c'est quand même un sacré potentiel, parce que encore une fois, quand il va passer ZLR, ça va être vraiment très 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 bon. Donc voilà les amis, on va y aller. Hein, on va y aller. Alors par contre, c'est vrai que finalement le vrai problème de tout ça, c'est même pas. C'est de partir en spell team. Hein. C'est pas chose facile parce qu'on n'a pas tant de kicks que ça. Et c'est vrai que du coup c'est un peu gênant, il faut bien le reconnaître. Et c'est vrai que c'est un peu dommage. Bon, on va attaquer qui elle. On espère qu'on va pas morfler 3 spé parce que sinon... ça va être un petit peu tendu. Enfin, elle vient de spé, donc non, Thomas, je pense pas, mais ouais, quand même. Et c'est vrai que là, je suis en train de me dire que j'aurais dû prendre un item de ki parce que... Parce que la spé ultime ne va pas être évidente du tout pour Trunks. J'aurais dû ramener un item de ki en soi. J'avoue que j'avais pas pensé à ce détail. Enfin, j'y ai pensé, mais je suis pas pensé à prendre des items. Et c'est vrai que c'est un peu gênant. Donc j'espère qu'il y aura un ZLR, il y aura du ki dans le passif. Parce que c'est vrai que ça, c'est un peu chiant. Parce qu'on n'a pas assez de ki. Alors quand Gohan LR va arriver, oui, hein, on va récupérer ki plus 4. Donc pas de souci, mais bon. 2 300 000 offensivement sur la première, c'est pas mal. Hein, sachant que c'est que la première et qu'on a 50% de crit. C'est pas mal. Sachant que sur la première, on stack aussi la défense. Donc c'est pas très gênant à ce niveau-là. Juste pour le côté offensif. Hein. Mais on verra tout à l'heure quand Gohan LR va arriver, on aura du ki. Et même avec le support. Et ça... Bon, alors on a droit à un tour bonus, sauf que ça m'arrange pas du tout. J'espère que le LR va pas partir en attaque additionnelle. Parce que sinon, il va gâcher mon tour avec Gohan LR. Alors par contre, voilà. Regardez ça les gars, full link 7 et donc du coup forcément niveau stats ça va être un peu plus intéressant. Alors je vais vous faire le calcul du coup dans le cas où on a tous les liens. Voilà, on n'a pas recombat vitesse époustouflante, je vous refais le calcul pour bon, les deux stacks, hein, on va pas aller plus loin, c'est pas la peine. Et on va voir ce que ça donne. Alors ça rajoute pas tant que ça non plus, on récupère que 10% de défense les gars, mais on est quand même, une fois qu'on a fait le deuxième stack, à 145 KDF, donc c'est pas mal et là je compte pas d'attaque additionnelle ou de support évidemment. Donc voilà, c'est quand même plutôt sympathique, hein, clairement. Et du coup, côté stat, avec un seul stack, on est à 117. Encore une fois, pour un LR première génération, c'est vraiment pas mal. Alors par contre, j'espère sincèrement que le LR va pas faire de spé additionnel. Sinon, je vais avoir un sum infini. Mais bon. S'il te plaît, reste tranquille. Ouais, alors, avec le critique, stop. Non mais ce troll, c'est hallucinant. Hein. C'est hallucinant. Allez, ok. Alors, on va pouvoir checker un petit peu les stats avec un support quand même qui donne 40% attaque KDF, 121 KDF les amis. Alors par contre, on va faire ça pour pas prendre part au combat, pour comparer voilà, par rapport au cas initial. Donc du coup, 117 d'entrée de jeu. Voilà, 117K, bah, fois 1.3 tout simplement. Avec un stack, on est déjà à 152 KDF et c'est bien normal, hein, vu qu'on n'a pas de défense dans le passif. Le fait d'avoir un support, eh ben, on multiplie la défense qu'on a sur l'aspect. Donc 152, et si jamais, bien sûr, enfin, si jamais... Bon, si je fais 2 spé, j'ai tout de suite, mais au tour d'après, évidemment, après 2 stacks, fois 1.6, et on est à 187 KDF. Vous voyez, le fait qu'il y ait un support dans la rota commence à abuser. Donc Trunks LR Endurance, avec un support dans la rota, on n'est pas loin des 200 KDF, les gars. Je sais pas si... Voilà, quand même, rendez-vous compte du délire. Donc c'est quand même vraiment bien, hein. Franchement, le ZLR, ça promet. Hein. Alors le free-to-play est quand même pas mal aussi, hein. 142 KDF les gars. Le free-to-play, l'indice, il doit être sympathique aussi quand même, hein, clairement. Bon par contre, il vous répartition des attaques, là c'est vraiment pas terrible. Ça me plaît pas trop, hein, cette histoire, parce que là, si je mange 2 spé devant, bah si après, s'il n'a pas, il va, au pire je le tue, mais après il attaque pas là. Ça, en fait, si Vegeta me spé, ça peut. Ouais, quoi. Enfin, non, si Nappa me spé, ça peut être chiant. S'il me spé pas, ça va. Ouais, je suis mitigé. Parce que pour l'instant, on n'a pas tant de def que ça. Nappa meurt, ok, mais. Ouais. Après, Raditz. À moins que j'essaye de sécher Raditz, peut-être. Ouais, non, mais Nappa vaut mieux l'empêcher de spé, quoi qu'il arrive. Bon. On va y aller comme ça. Là, on va se régénérer quand même un petit peu. Et avec toi, on va focus le Raditz et on espère le kill. Mais ça m'étonnerait, je vais essayer de stun avec le Gotenks Endurance, enfin en Endurance Puissance, on va essayer de stun Vegeta. On y va, let's go, c'est parti, donc là on est évidemment, ouais ok, nickel.
Allez, on y va les gars. 3 800 000, quasiment 4 millions. Avec grande chance de crit, c'est encore une fois vraiment pas mal. On n'a pas, évidemment, qui n'a aucune chance là face à ça. Donc offensivement, c'est vraiment bon aussi. Hein, donc, ouais. Non, voilà, c'est à peu près ce à quoi je m'attendais. Franchement, je trouve ça vraiment pas mal. Hein. Clairement, il est d'ores et déjà bon en ce moment. Alors du coup, là, ici, on va mettre Trunks. Il n'y a pas trop de problème, il y a Vegeta qui attaque devant. Donc là, on retrouve notre stack normal, hein, sans support, évidemment, c'est logique. Voilà, par contre, c'est vrai que, comme je vous le disais en début de vidéo, finalement, le vrai problème en l'état hein, du perso, c'est de partir en spell team. Hein. C'est vraiment pas facile, c'est pas très grave, encore une fois, côté def, mais côté offensif, c'est quand même chiant. Et donc, j'espère qu'il aura vraiment du ki une fois qu'il passera ZLR, parce que c'est vraiment ce qui manque. Hein, parce que au-delà de ça, sinon, si on se réfère à l'époque où il est sorti, c'est vraiment très bon. Hein. Lien 10, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc j'espère qu'on aura du ki en ZLR, ce qui est quand même très probable. Évidemment, on va faire ça. Le Dokkan Mode, là, ça me plaît pas trop. Hein. J'ai pas envie de l'activer, moi, le Dokkan Mode. Hein. Et là, je vais devoir l'activer au prochain tour si jamais on kill pas, et ça m'étonnerait qu'on kill, hein, sincèrement. Bon, 2 millions sur la première SP, c'est quand même assez correct, sachant, encore une fois, qu'on a les grandes chances de critique. Bon, même si ça proc pas, dommage. Mais ouais, on va pas réussir à finir, en fait, là. Hein. Ça fait un petit peu... Ouais. Bon, après, je gagne du temps pour revoir Gohan LR, mais c'est vrai que c'est un peu chiant. C'est un petit peu dommage, ouais. Ouais, bon, pas du tout kill, même. Alors, on est dans le même cas que tout à l'heure. S'il te plaît, Trunks, ne mets pas d'attaque spé additionnelle. Hein. Merci, ça serait très aimable de ta part. Alors, vraiment, ce qui est chiant, c'est que si Vegeta spé, je vais prendre très très cher sur Trunks, là. Je vais prendre le tarif, hein. Clairement, ça va piquer. Mais bon, on va essayer de faire comme ça. Et Trunks va se faire plaisir, par contre, ici. Et j'espère que ça va rester comme ça, pour qu'on puisse Dokkan Mode, voilà, pour le plaisir quand même avec Trunks. Donc, s'il te plaît, Trunks s'agit, te fous pas de ma gueule. Merci beaucoup. Bon, là, il a moins de défense, Trunks s'agit. Je rappelle qu'il a des boosts par rapport au nombre d'ennemis, hein, faut qu'il y en ait deux. Sinon, il perd des stats. Et donc, on y va pour le Dokkan Mode avec Trunks LR. Et je pense qu'on va se mettre full life, hein, parce que ça va piquer très fort, les gars. 3 500 000. On était presque à 4 millions tout à l'heure, mais il y avait un support. Donc, forcément, les liens ne compensent pas le support de Gotenks. Ce qui est normal. On est parti. Allez, ça va piquer le critique éventuellement. Dommage, pas de critique, 5 3 millions quand même. Allez, on est face à Brobro et Paragus. Et Paragus est déjà bien dans le mal. Par contre, ouais, par contre là, niveau répartition, c'est pas terrible, terrible. Merci le retour de Gotenks, évidemment, avec paquet de défense. 121k Trunks, les gars, il a 0 stack, hein, je rappelle, à ce stade-là. Parce qu'on a pas au combat en plus. Hein, donc, rien que pour le plaisir, hein, 121. 121k hop, avec les deux boosts. On est à presque 200, enfin 195 KDF, enfin bon, voilà, c'est vraiment pas mal. Clairement, c'est dommage que le Trunks ait le même nom l'autre, hein, parce que tu les mets à côté. Le support vraiment buff énormément Trunks LR, et bah, c'est vraiment vénère, mais bon, malheureusement ils ont le même nom. C'est ça qu'il faudrait, c'est un Inkbuddy qui a une partie support, mais encore une fois, le jour où il passe ZLR, il y aura sûrement plus de problème. Donc on s'en fout un peu. Bon, malgré tout, là, ça fait un petit peu chier. Alors en auto, c'est 0, mais l'aspect, ça va pas être 0, hein, clairement... Ça va pas être zéro loin de là, donc ça me dérange un petit peu quand même. Mais je pense qu'on va tester. Hein. Normalement, je meurs pas avec 2 SP, enfin, je pense pas. Je pense que je prends 200k, tu vois, on tient le coup tout juste, quoi, mais... J'ai envie de mettre une énorme mandale à Broly, là. Vous voyez, genre comme ça. Par contre, je sais même pas s'il va pouvoir partir en SP. Ah si, attends, si je fais ça... Quoique non, le rouge va aller tout à droite. Ah, c'est chiant, hein. C'est très très chiant. Voilà, c'est ça que je voulais. Bon, ok, il y a les verts qui se pointaient également. Bon, on y va, j'espère que ça va se passer. Broly, c'est pas au tour d'avant, mais bon, il y a moins qu'il m'en remette une. Hein. Quand même, en auto, c'est 0. Ok, Paragus qui se paie pas pour l'instant, mais il y a moins qu'il y ait de l'aspect derrière. 2 500 000, le Trunks se free to play. C'est pas mal, hein. Il est pas, les liens sont pas montés, donc franchement, c'est honorable. Ok, pas d'attaque spé, on a de la chance, là. Allez, Trunks LR, 4 millions, les gars. 4 millions avec grande chance de critique. Malheureusement, on crit pas. On a vraiment pas de luck. Hein. Sur les attaques additionnelles, tout ça, on a 22 points d'attaque additionnelle. On n'en a fait aucune, je crois. Enfin, peut-être une auto, mais pas de spé. Mais bon, la RNG, hein, voilà. C'est dommage. Alors, on récupère notre Trunks LR. Alors, bon, ce qui est bien, c'est comment je récupère le passif de Trunks AJ.
Mais on est un peu dans la même situation que tout à l'heure. Si jamais ça nous spé devant, ça va piquer. Et là, on a une défense de façon qui est similaire, donc ça va pas changer grand chose. Mais c'est vrai que ici, j'ai quand même une attaque qui va taper plus fort. Et je vais récupérer un buff à partir de la première spé. Donc on va faire ça, on va tuer Paragus. Attends, on est bien là quand même. Bon, faut qu'on tue Paragus, hein. Faut qu'on tue Paragus. On va prendre que ça là. On va régénérer un petit peu. Et on a régénéré pas mal de PV avec Trunks Endurance quand même. Et là avec Gohan évidemment. Merci, on s'est mis full life hein, avec la régène passive, hein, tout va très bien. L'esquive. Qui proc 3 600 000, voilà, c'est le maximum sans support. Hein. Un petit peu plus avec part au combat, mais c'est quasiment pareil. Le critique, pas d'attaque additionnelle décidément. Ça ne veut pas et je pense pas qu'on aura le temps de le revoir. Hein. Je ne sais pas, mais. On verra ça après. Paragus qui va enfin crever, merci. Peut-être moyen. Ok, et Gohan qui va pouvoir attaquer. Franchement les gars, bon, on va faire la conclusion, mais c'est vraiment pas mal du tout. Il n'y a pas à dire. Oh merci les liens évidemment qui aident énormément. Ça va de soi. Alors c'est vrai que pendant un court instant, j'ai oublié que Gohan Tech, en plus de faire tout ce qu'il fait, il stun également une fois transformé. Tout va parfaitement bien, hein, les amis. On va pouvoir conclure avec Trunks, regardez si c'est pas beau. C'est magnifique, à moins que Trunks agisse nous fasse encore un troll à... Comment dire, à faire de l'attaque additionnelle, etc. Je ne sais pas, on va voir ça tout de suite. Mais autrement, on va pouvoir finir avec Trunks et en spé ultime. Merci Gohan LR, évidemment. Si c'est pas beau, ça full lien 10 qui proc. Et on est parti pour la fin de la game. Trunks LR, te fous pas de ma gueule, s'il te plaît, reste à ta place. Merci beaucoup. 3 millions de... Allez Trunks, on est parti découpage. Deux bro et pas de critique. Et c'est pas terminé, mais là c'est terminé avec une petite attaque additionnelle. Donc voilà les amis, pour Trunks LR lien 10, franchement, les gars, c'est, bon, je l'ai déjà dit plein de fois dans la vidéo, mais c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, hein. Encore une fois, LR première génération, on a un potentiel de 200 KDF, soit si on a beaucoup de chance, double SP sur deux tours, enfin sur deux apparitions, soit avec nos deux SP et un support dans la rotation, ce qui n'est pas non plus déconnant, hein, sachant que si tu mets du support en troisième position à chaque fois qu'il tourne, ça arrive assez souvent. Donc, franchement, alors oui, tant qu'on n'a pas stacké, attention, on démarre à 88-90 KDF, c'est pas beaucoup. Dès le premier stack, on est presque à 120, et au deuxième, on est à 140-150. Donc franchement, il y a pas mal de persos qui fonctionnent aussi comme ça, hein, qui démarrent assez bas, et puis une fois qu'ils sont partis, c'est pas mal. Donc pour un LR aussi ancien, c'est vraiment pas mal du tout, et même tout court, c'est bien, c'est un bon personnage, même aujourd'hui, c'est un bon personnage. Même aujourd'hui, même si on ne prend pas en compte l'ancienneté de tout ça, potentiel de 200 KDF, même si, allez, on compte pas de support tout ça, on est à 140-150. Voilà, c'est pas mal. Grande chance de crit, ce qui permet encore une fois de tout mettre en attaque additionnelle. Bon, là, on n'a pas été trop servi, mais évidemment, ça peut marcher. Si tu mets 2 spé crit, je t'assure que ça rigole pas. Côté offensif, justement, on en parle. 3 millions en moyenne, 3 millions 5, 4 millions en fonction des cas sur l'aspect ultime, avec encore une fois une chance sur 2 de crit, c'est vraiment très bon. C'est vraiment très bon. Donc, pour conclure, j'attends le ZLR, et quand il va passer ZLR, on va pas être prêt, hein, parce que franchement, là, c'est déjà vraiment très bon. Enfin, c'est encore une fois très bon, si on se réfère à son ancienneté, et c'est bon, enfin, c'est un bon personnage, d'ores et déjà, donc, ça prend. Bon, évidemment, lien 10, 100%, hein, ce qui est fort. Forcément, sans doublon lien 1, ouais, ouais, là, à mon avis, c'est plus du tout pareil. Hein. Évidemment, les amis, là, on est vraiment au maximum, hein, forcément, parce que oui, sinon, ça va pas être du tout la même chose. Bon, après, les liens jouent énormément, surtout. Bon, les doublons, bon, c'est quand même bien d'en avoir un ou deux, hein, malgré tout. Mais après, forcément, les liens ici jouent quand même pas mal, hein, parce qu'il y a pas mal de défenses qui se rajoutent. Donc, forcément, voilà, ce sera pas pareil s'il n'est pas un peu monté. Voilà tout les amis, on va s'arrêter là, n'hésitez pas à me donner vos avis dans l'espace commentaire, le petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, des bisous à tous, à très bientôt, salut !